pas dit que tu sombrerais, il a dit. Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Je remplis vos comptes bancaires aujourd'hui. J'ouvre les virements que vous attendez depuis. Reçois les 90 millions de francs CFA. Reçois 70 000 euros. Reçois les sommes que tu n'as jamais prononcées, que tu n'as jamais touché ton compte. Je déclare à partir de ce soir, ça touche ton compte. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit. Réjouissez-vous. Sion, réjouis-toi. Réjouis-toi, Sion. Réjouis-toi, je t'apporte la bonne nouvelle. Réjouis-toi, Sion. La bonne nouvelle te retrouve. Elle te localise. Tu construiras. Tu toucheras les nations. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Seigneur, le Seigneur vous fortifie. He makes his light to shine upon you today. Il vous sort des ténèbres. On vous félicite à partir de ce soir. Tout navire dans lequel tu étais qui sombrait, je déclare que vous trouvez la direction. Je parle au brouillard qui avait sur votre vie. On trouve comment t'aider. Pourquoi tu étais papier? Tu as demandé, et personne ne pouvait t'aider. Ce soir, on t'appelle, on te dit, ah, maman, viens. Ce soir, j'enlève l'esprit de rejet sur toi. J'enlève le rejet. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Je mets le soleil sur ta vie. Je mets le soleil sur ta vie. Tu es rentré dans une période de sécheresse. Tu m'écoutes. C'est ton bateau qui marche sur l'eau pour t'amener à bon port. Les navires viennent avec ce qui t'appartient. Écoutez les prophéties. Lève-toi. Janine, lève-toi. Soraya, lève-toi. Mets ton nom devant. Tu dis, je me lève. Sois éclairé. Comme un phare qui pointe devant. Je mets la lumière sur ta voix. Tu ne sais pas ce que tu devais faire dans la vie. Tu t'es perdu. Tout argent dont tu as besoin pour faire quelque chose. J'appelle. Car ta lumière est là. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi. Oh, sur moi. Sur moi. L'Éternel se lève. Des nations marchent à ma lumière, des rois à la clarté de mes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Regarde le compte bancaire, ajoute 60 000 euros, ajoute 600 000 euros, ajoute 6 millions d'euros. Ajoute. Tu n'es pas une femme de petite vision. Tu n'es pas une femme. Ton téléphone sonne. Opportunité financière. Ton téléphone sonne. Collaboration. Ouh, je vais te donner 60 millions. Après, oh, donc tu sais, mon bateau est tombé. Oh, toutes les mauvaises nouvelles qui ont fait qu'on ne te donne pas la faveur qu'on t'avait promis. J'enlève maintenant de ton aura, de ton chemin. Prêt bancaire. Tu as demandé là, crédit là. C'est le banquier lui-même qui va t'appeler. C'est le banquier qui va t'appeler.
Tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Porte tes yeux aux alentours et regarde. Ils s'assemblent, ils viennent vers toi. L'argent vient vers toi. Allez, 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 l'argent vient. Parfois vous demandez comment moi je fais. Moi là, j'appelle l'argent. I call money. I call money. Je dis que je vais acheter un chien, je vais l'appeler money. Je dis money, viens ici. Je suis en train de crier. Si vous ne m'entendez pas, désolé. Ceux qui vont venir. Si les scammers prennent ce message, mon numéro c'est le 237 693 50 22 66. 237 693 50 22 66. Je vous élève au-dessus de votre circonstance. Je vous élève au-dessus de vos circonstances. Toute situation qu'on a dit, oh, vraiment, on n'est pas sûr. À partir de ce soir, l'argent touche ton compte. La banque débloque le papier qu'ils attendaient là. C'est débloqué. Reçois, reçois. 50 000 euros. 70 000 euros. 120 000 euros. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Réjouis-toi alors. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 120 000 euros, sachez déjà même deux appartements dans les villes de France. 120 000 euros, là, ça fait. Rialo. Congratulations. You have seen the glory of God. Congratulations. Si tu as les sautes d'humeur ce soir, hein, prends l'eau. Tu dis que je chope les sautes d'humeur, je bois l'eau. Tu vas sortir à l'eau, toi, demain, ça va sortir. Tu n'as pas le droit d'être triste. Saute d'humeur. Tu dis que je chope. Je chope les sautes d'humeur, je bois l'eau. Ça descend. Sans que mes choses ne marchent pas. Chop ça! Le mot là ne doit pas sortir de ta bouche. Chop, tu bois l'eau. Chop, tu bois l'eau, chérie. You go drink them. Yes. You go to toilet. You go sortir. Tu vois, ça sort. Tu dis que yes, j'ai digéré, c'est sorti. Ton cœur bondira. Ton cœur se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Je commande aux richesses de la mer de venir à toi. Il n'y a pas mis, vous, si vous n'êtes pas censé être pauvre. Tu es censé dans l'abondance. Tu es censé dans l'abondance à tout moment. Tu manques. Ça commence, comment est-ce que tu manques? Hein? Comment? Toi? On te voit, je te dépanne moi-même, non? Ah, tu ressembles à une femme qui est riche. Oh, dis, je suis riche. Seigneur, je suis riche. Je suis riche. Je ne peux pas permettre que. Non, 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 non. Argent, tu viens. Quand les trésors des nations viendront à toi, je déclare que le temps est arrivé. Tu es couverte d'une foule de chameaux. Les chameaux portent les. Il porte de l'or et de l'encens. Il publie des louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kedar se réunissent chez toi. Les béliers de Nebajot, ils sont à ton service. Oh, voyez un peu ça. C'est pour ça que vous devez beaucoup faroter. Au terme du jeûne, si vous devez donner, vous allez que j'ai l'association déjà. Chaque semaine, on peut en faire les dons. Donc on va. Je suis en train de mettre une équipe sur pied. On ira, on vous fera un topo. Ce qui fait que si tu veux faire des dons, il y a, on a besoin de machines à coudre. Si tu veux du matériel de dessin, des trucs comme ça là, ça, on a commencé à visiter. Même au Bénin, on a déjà repéré beaucoup de Bénin. Tous les pays où j'ai pu nommer des guides, on va agir là-bas. Vous devez
à être dans une... Quand tu sens que tu as, tu donnes. Quelqu'un qui ne veut pas donner, c'est quelqu'un qui a peur. Ah, il donne, il va encore voir. Si je donne... Non, 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 non. Si je donne, là, ça finit. Non. Parfois, tu n'as pas le... dernier que tu as dans ta poche, là. Parce que l'ennemi veut te maintenir attaché dans un tourbillon. Le reste, la racle, là. Donne. Donne. Le représentant de... il va vous donner un peu. Je ferai une réunion avec lui. Une sorte de vidéo. Parce qu'on va bientôt créer la chaîne. Il va vous donner vraiment le récapitulatif de ce qu'on a fait. On a fait comme recensement ici au Bénin. Comme ici, les gens travaillent. On va parler des besoins. Et vraiment, on a besoin des formateurs. Parce que beaucoup d'enfants... Formateur, ce qui fait que ça rejoint le centre de formation qu'on a fait créer pour les critiques. Beaucoup d'enfants sont là, ils ont besoin de former. Matériel de formation. Machine à coudre, des choses comme ça. On vous donnera le détail. Don financier. Donc, on aussi, je prends mettre un comptable à temps plein dans le truc. Quand il faudra sortir sur le terrain, il sortira, mais il faudra la compta. Parce que je veux vraiment être transparente dans tout ce qu'on fait. Comme donc, on vous montre. On montre, voilà, ici on a eu tel besoin, on a donné ça. Et beaucoup de personnes ne donnent pas. Je suis vraiment désolée. Vous me regardez. J'ai les 20 000, 15 000 vues par jour ici, là. Les gens ne donnent pas aux orphelins. Je ne sais pas pourquoi. Mon objectif, c'est qu'on ait moins de souffrance. Et que le minimum soit atteint. Il y a les matelas, la nourriture. On les a déjà placés dans les centres de formation. Parce que les centres de formation ont les réductions pour les orphelins. Mais il faut quand même payer quelque chose. Voilà. Et je ne vais pas vous mentir. On... vendredi ou samedi. On vous montrera ce qu'on a fait avec les finances dans les trois derniers mois. En décembre, on a eu 3 millions. Le mois passé, février, on a eu 700 000. Ce mois, je vois dans la cagnotte, on est peut-être à 180 000. Ça, c'est mars. Mars, c'est le plus mauvais mois qu'on a eu depuis décembre. Oui. Donc, quand tu sens que tu as... Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes non. Hein? Recevoir. Ne mange pas beaucoup, pardon. Vous voulez seulement recevoir. Ne mange pas beaucoup. S'il te plaît. Donc, vous voulez seulement recevoir, mais vous ne voulez pas. Ah. Si vous savez le bien qui se trouve. J'ai fait un appel ici l'autre jour. Et il y a beaucoup de formateurs qui ont proposé leur service. Beaucoup. Donc on est en train de façonner les gens. Il y en a qui peuvent former dans le community management. On va offrir ça. Et on va faire des formations vidéo. J'enverrai souvent les formateurs dans les orphelinats qui vont former les enfants sur le terrain. Pour ça. On prendra les bénévoles. Ils vont aller là-bas. On s'assoit et les formations qui ont été enregistrées, on paye des coûts. Ça peut au moins permettre que... Il y avait les orphelinats que même le téléphone, ils n'ont pas. On achète le téléphone, on montre à l'orphelin comment montrer leurs activités. En fait, les gens peuvent les trouver. C'est là tu pleures, ça manque. Aide-moi. Tu sais pas, c'est quand tu aides quelqu'un que toi-même tu aides. Bon, tant mieux pour vous. Ok. Donc. Ils publieront les louanges. Je suis en train de lire Isaïe 60. Je suis au verset. Huit. Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis en tête pour amener de loin tes enfants avec leur argent et leur or. Poursuivez. Avec leur argent et leur or. Tu n'auras plus l'espace, non? Toi, me vois ça là. Tu n'auras plus l'espace si tu pars en Obila. Tu pensais que c'était la méchanceté qu'il faisait. Ok. Donc, ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kedar se réuniront tous chez toi. Écoutez, je te mets au challenge. Financièrement, c'est chaud sur toi. Demain, là, pointe-toi à des guides, tu dis que tu veux faire le bénévolat. Viens donner une de tes journées.
On te montrera ce que tu peux faire pour aider l'association. Si tu fais ça deux fois dans cette semaine, tu ne vois pas comment Dieu bouge tes choses. Le truc, c'est que quand on vous montre les secrets du succès, c'est comme si on vous a attaché à un arbre quelque part. Je ne comprends pas. Il y a le jour de la journée internationale de la femme. On m'a donné l'argent. Je partais demander un visa. Parce que quand tu es au Gabon, pour sortir du Gabon, tu as besoin de visa. Quand tu as la carte de séjour au Gabon. Donc. Je n'ai pas demandé le visa. J'arrive, je. Ben, c'est le 8 mars, c'est la journée de la femme. Voilà, les droits de la femme. Je viens donc en face. Il y a un bon pâtissier en face qui te fait des gâteaux. J'ai acheté des gâteaux au moins pour. Je crois que tu as donné au moins à manger à. Je veux faire ça dans les rues de Douala. Tu dois manger au moins à 50 femmes. Il y avait dans le personnel du CEDOC même. Leur département, ce n'était pas tout le CEDOC, mais le département des visas. Et j'ai pris aussi des petites langues de des éclairs, des trucs comme ça. Donc ça, c'était sur le passage, toute femme contre. Et je ne vais pas vous mentir. Les gens sont habitués à recevoir. Oh, la reine a donné. Merci. Quand je fais souvent mes événements chez moi, vous portez vos pieds, vous venez même pas le sucre de 500. Quand tu viens manger la chose de quelqu'un, sache que tu es en train de multiplier ces bénédictions par 100. Le jour-là, les dons. J'ai donné à mes employés. Tous mes employés, tout mon personnel. J'arrivais, je sais que je suis arrivé au moins à deux endroits, trois endroits. Je ne m'en peux donner ça aux employés. Dès que je donne, ça paraît les gens vous donner, voir moi l'argent. Vous avez reçu. Okay. Supposons que tu m'écoutes, tu n'as pas l'argent. Ok? Tu n'as rien. Cherche ce que tu peux donner de ton énergie. J'espère que vous pouvez comprendre ce principe. J'espère. Même quelquefois, les gens qu'on a arnaqués. On ne peut pas t'arnaquer si tu es quelqu'un qui donne. Généralement, c'est l'argent que Dieu t'a dit, paye la dîme, tu n'as pas payé. Dieu t'a dit, donne ça aux orphelins, tu n'as pas payé. Dieu a dit, donne. Finalement, il a ouvert la porte, quelqu'un est venu t'arnaquer, tape 200 000. Yeah. Parce que Dieu avait dit, donne ça, sème, tu as refusé. Le diable est venu se servir. Tant mieux pour vous. Bon, je continue ce qu'elle disait, non. Je ne sais pas à qui ils sont en train de parler. Mais je crois que Dieu a peut-être dit depuis de donner, mais tu es en train de faire comme ça. Reine Foster, je sens que c'est les gâteaux que tu vas me donner, on va partager aux gens. Même. On va marcher dans la rue, on va partager les gâteaux aux gens. Tu connais de quoi je parle. Tu es connecté ici, là, tu connais de quoi je parle. Bon. Vous connaissez quoi? Le 1er avril, je vais organiser un événement à ma tête. Vous allez venir, vous allez apporter les choses, on va aller distribuer. Apporter n'importe quoi. On va sortir dans la rue, on va se mettre distribuer. Votre problème, c'est que je ne sais pas comment vous dire ça. Yeah. On va faire ça pour le 1er avril. Si tu as apporté les croquettes, on va les arracher de. On répartit, on va se mettre distribuer. Et souvent dans les rues. Voilà, le soir, dans presque toutes les villes. Imagine, tu fais peut-être une soupe, tu viens déposer. Et tu fais des petits pains là. Des beignets. Tu donnes peut-être 3 beignets ou 4 beignets à quelqu'un. Avec un petit gobelet de quelque chose qui peut boire, il mange un peu son beignet là. Parfois, donner, ce n'est pas. Ça ne demande pas beaucoup. Hein. Parfois, donner, ça ne demande pas beaucoup. Mais il y a une sorte d'égoïsme. Donc, c'est lancé. Si tu as Yaoundé, tu sais que tu vas porter le projet, tu me dis. C'est toi qui vas sortir dans la rue pour distribuer aux gens. Pour être dans le confort de votre maison, Yaoundé, c'est pour quand? Je vous connais déjà. La dernière fois, celle qui est partie à Yaoundé pour aller dans les orphelinats, elle a pris deux jours de sa vie. Premier jour, elle est partie recenser les orphelinats. Deuxième jour, elle a pris deux jours pour recenser les orphelinats et deux jours pour distribuer dans les orphelinats. Elle a marché, distribué.
Soyez vraiment. Comment je vais vous dire ça? Ne m'attendez pas à Bafoussam. Dans chaque ville où vous m'écoutez, si vous voulez faire ce projet, vous me dites. On va, ce qu'on va rassembler, on vous enverra les finances. Vous partez, vous achetez, vous divisez, vous prenez un taxi. Vous dites que le taxi, c'est pour 4 heures de temps. Vous calculez les 17 heures, vous asseyez dans un coin là. Vous distribuez aux gens. Arrêtez vos choses là. Laissez-moi vos choses là. Moi, je vous connais. Vous aimez les prétextes. Voilà, j'ai une personne. Yaoundé, vous ne parlez pas non? Avec vos têtes. Bon, on fera à Bafoussam, mais on fera à Douala. Ok. Je mettrai ceci en audio sur la page. Je vais télécharger ça. Je vais demander qu'on mette ça. Je vais faire un enseignement audio que je vais mettre sur Facebook. Je suis en train d'enregistrer ça. Ils attaquent trop l'enseignement. Si. Je crois que j'ai même une. Voilà, il y a Florence aussi. Tu vas vous rejoindre au Nice. Vous faites à manger, vous faites le pain peut-être. Vous allez décider ce qui est le mieux pour vous. Vous préparez, c'est bon, hein. Il faut que les gens la mangent comme ça là. Ils mangent comme ça parce qu'ils lèchent les doigts. Ils disent que mince. Vous préparez ça, c'est bon. Ça a le goût. Voilà. Et si vous êtes loin, vous ne pouvez pas envoyer votre argent. On va repartir. Quand vous allez rentrer le jour, Facebook, vous m'entendez? Douala, Yaoundé, Bafoussam. Si tu es à Abidjan, tu me dis même Abidjan. Donnez-moi votre endroit où vous êtes et ce que vous voulez faire. Si vous vous allez physiquement, c'est bon. Voilà. Et si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ma bénédiction. J'ai dit que c'est le premier. Donc, écrivez déjà, vous dites que distribution de nourriture le 1er avril. Je suis partante. Tu donnes ta ville. Point. Ok. Bon. Si tu sais que tu fais très bien les gâteaux, tu fais tes gâteaux. Tu donnes. On partage les gâteaux. Écoutez maintenant ce qui vient. Prenez Isaïe. Ça, c'est le passage. Vous allez méditer dessus. Soraya pour le Gabon. Voilà. Écris, tu dis que Gabon, tu partiras à Libreville. Avec. J'ai ma fille qui est au local du Gabon. Là. Elle aime les choses comme ça. La dernière fois, c'est elle qui est partie à l'Oclina. Géraldine. C'est elle qui va partir. Elle va partir avec toi. On va répartir les sous. On vous donnera. On va se répartir. Vous partirez. Vous allez faire ça. Vous passez le passage que. Ésaïe 60, verset 9, en descendant. Le numéro de téléphone de l'entreprise, au cas où vous trouvez cet enseignement n'importe où, 237, 693, 50, 22, 66. Donnez-moi votre ville, même si tu es à Paris, on va envoyer l'argent à Paris. Tu vas partir dans les rues de Paris distribuer aux gens, tu verras ce que ça fait. Même si tu es à Lyon. Ok, on y va. 693 50 22 66. Voici le passage que vous allez lire et méditer. Cherchez le numéro, vous écrivez dessus. Vous, dites, vous parlez de ça. Écoutez. Je crois qu'on va vous envoyer les t-shirts de l'association. On va vous envoyer les t-shirts de l'association. Ça s'appelle Leaders. Donc. Écoutons. Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête pour amener de loin tes enfants avec leur or et leur argent à cause du nom de l'Éternel, le Saint d'Israël qui te glorifie.
Les fils de l'étranger vont rebâtir tes murs. Vois tout ce qu'on a gâté dans ta vie. Tes tantes qui t'ont anéanti, tes cousins, cousines là. Ils vont venir rebâtir ce qu'ils ont gâté dans ta vie. Deuxièmement, leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé de ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Oh, 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 oh. Vos comptes bancaires seront toujours ouverts. Oh, 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 oh. Cap, pas beaucoup. Oui ou non? Ce sera féminin de nuit. De jour, afin de laisser entrer chez toi le trésor des nations. Vous allez mettre les comptes bancaires qui vont recevoir des milliers d'euros. Des millions d'euros. 500 000 euros. Tape, tu vois. Un agent, tu as un peu espéré voir de toute ta vie. Apprêtez-vous seulement. Je continue. Ésaïe 60. Verset 12. Ils vont laisser entrer les rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ça, c'est la vengeance sur tes adversaires. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'homme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Ils t'ont fait du mal, non, ils vont dire leur. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël, au lieu où tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait. Je ferai de toi un ornement pour toujours. Tu seras comme un diadème. Un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations. Écris ici là, je reçois. Je suce le lait des nations. Tu vas mettre les comptes, les sites internet, que l'argent va entrer quand tu dors, quand tu es réveillé, de plusieurs pays. Tu suceras, tu sauras que je suis le Seigneur, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Au lieu des pierres, je ferai venir du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays. Ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ça ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Les jours de ton deuil seront passés et il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Tu es dédié à l'Éternel. Tu es oint. À partir d'aujourd'hui, je viens te oindre. Tu me suis? À partir d'aujourd'hui, je te oint. Croyez ce que je dis. Croyez ce que j'ai dit. Je ne bavarde pas pour bavarder. Croyez ce que je vous dis. Vos enfants seront célèbres. Vos enfants seront connus. À l'échelle planétaire. Toi-même, là, tu vas devenir célèbre à 45 ans. 50 ans. On t'invite à Cannes. On t'invite pour les Oscars. Vous allez m'envoyer la photo. Corée, lumière, oh, ben moi aussi, c'est les Oscars, oh. Hey, hey, hey. Je vais me moquer de vous. C'est moi, une villageoise. Pardon, arrache ton habit. On va te filmer là-bas. Niapta, niapta, dis-nous. Hmm? Ouais, que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles, chérie. Only good news. Good news. Tu demandes le visa depuis. Là, on t'envoie seulement. Je suis convaincue que c'est le moment de l'Afrique. Beaucoup d'Africains et Africaines vont être populaires à travers les réseaux sociaux. Donc, je suis en train de monter une plateforme que je vous en parlerai bientôt. Ça vous permettra de profiter de votre visibilité en ligne. J'ai beaucoup de projets. Hein. Parfois, quand il y a des gens... Just me, me la, me.
On va dire que tu as changé l'Afrique. Que la fille a changé l'Afrique. Elle a fait des... On n'est pas venu seulement regarder les Nigériens tous les jours. Hein. Oh, les Nigériens partent aux Oscars seuls. On doit aussi entendre que les Camerounais sont partis aux Oscars. Et ça arrive. Préparez-vous. Préparez-vous. Les Ivoiriens sont aux Oscars. Préparez-vous. Les Béninois sont aux Oscars. Préparez-vous. La francophonie va percer. Ainsi soit-il. Voilà, je vous bénis. On se trouve le premier pour distribuer la nourriture. Si tu as écouté ceci, tu as senti que c'est toi qui dois le faire, n'attends pas. Oh, Piapa, n'attends pas.